Donc Eric Brun, bonjour, Bonjour. ou même bonsoir d'ailleurs. Oui, il est assez tard. Et on est à Trémargat, Tout à fait. qui est une commune de combien d'habitants? Alors, exactement, officiellement, 193. D'accord. Et on est au beau milieu de la Bretagne. En plein cœur du centre-ouest Bretagne. Et c'est un cœur qui bat assez fort. En tout cas, il y a des choses qui se passent à Trémargat. Oui, il y a des choses qui se passent, pas mal de choses sur le plan collectif, qui, vu de loin, sont petites nécessairement à l'échelle du village, mais qui, vu de l'intérieur, sont des choses qui font qu'il y a une vie sociale intense dans la commune. Alors moi je suis parti sur les routes de France pour je m'intéresse aux questions de la démocratie. Comment est-ce que vous définisseriez ce mot de démocratie? Mot démocratie. Alors, bon, si on repart de l'étymologie, j'invente rien du tout, hein, évidemment, c'est le pouvoir au peuple. Alors, c'est vrai que souvent, on a, nous, une vision qui est celle de notre société, qui est une démocratie représentative, hein, donc c'est-à-dire le peuple délègue fait, son pouvoir, il est content qu'il l'assume en son nom. Ce qui veut dire qu'effectivement, on peut définir la démocratie comme ça. Ça fonctionne. Il y a des spécialistes, il y a des professionnels de la politique hein, dans ce cadre-là. C'est vrai qu'une définition plus ambitieuse de la Oui. démocratie impliquerait sans doute l'idée de participation effective des citoyens à des délibérations. Alors, peut-être pas surtout, mais de manière sans doute plus importante qu'aujourd'hui. Et donc, l'idée de démocratie, elle reposerait sur des hommes hein, qui seraient peut-être d'abord des citoyens avant d'être, si on dit aujourd'hui en termes économiques, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, des facteurs de production. Un facteur de production, et puis dans une société de consommation aussi, on a des hommes qui sont à la fois facteurs de production et puis consommateurs. Ça prend une part dans l'existence qui est assez importante. Et bien sûr, toute la vie familiale, sociale, etc. Mais c'est vrai qu'une démocratie s'appuierait sans doute sur des citoyens plus fortement impliqués dans les décisions qui les concernent. Comment ça se passe ici à Trémargat, la prise de décision ou même l'élaboration de ces décisions? Alors, ça se passe à différents niveaux. Donc, si j'essaie de résumer, pour Trémargat, on a un modèle un petit peu particulier, hein, qui peut paraître assez étonnant de l'extérieur, puisque, en fait, on a disons une rotation des postes hein, avec des conseils municipaux qui se renouvellent très régulièrement, avec à chaque fois des énergies nouvelles, du sang neuf, comme on dit, et donc des maires aussi qui se succèdent. Alors à chaque fois, fonctionne tous les 6 ans, puisqu'il y a un renouvellement électoral à faire. On fonctionne donc avec un système de bilan de mandat de l'équipe sortante, donc ce qui permet de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, les manques, les aspects positifs, etc. C'est un moment aussi, donc qui a eu lieu il y a quelques semaines dans la commune, c'est un moment aussi où justement on rappelle aux habitants, qui sont aussi citoyens de la commune, que les affaires publiques sont les affaires publiques, c'est-à-dire les leurs, C'est concernant tout le monde. autant que celle du conseil municipal sortant. Donc c'est une première phase de rappel hein, de ça. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qui va avoir lieu dans quelques jours, là, où tous les habitants de la commune sont appelés à se réunir, tous ceux qui souhaitent participer, pour essayer de définir ensemble ce qu'ils aimeraient voir se faire, à quel projet ils aimeraient même participer. Donc ça, ce sont des temps forts. Bon, ce sont des temps forts qui reviennent à espaces éloignés autres, hein, puisque c'est tous les 6 ans. Et puis ensuite, une fois qu'un projet se dégage, eh bien les personnes de bonne volonté qui veulent participer à sa mise en œuvre sont
appelé à être candidat sur une liste ouverte. Et puis ensuite, on procède à l'élection. Donc ça, c'est là, j'ai défini, là, disons, assez rapidement le cadre de ce qui se passe tous les 6 ans. Mmh. Donc, a quand même une certaine importance, parce que, bien sûr, le conseil municipal a la main sur le budget, donc choisit aussi parmi les projets, ceux qui se feront prioritairement, ceux qui viendront plus tard, ou peut-être aussi ceux qui ne se feront pas. Donc ça, c'est le cadre général. Alors ensuite, à l'intérieur de ça, pendant les 6 ans, parler des 6 ans passés, et j'espère qu'on pourra trouver des formules qui permettront de prolonger ça. On a mis en place des comités consultatifs, hein, donc sur les grandes lignes du projet qu'on avait. Et dans ces comités consultatifs, on avait à peu près à parité des conseillers municipaux et puis des habitants, des représentants des associations qui donc ont participé. Et ça a fonctionné, hein, en gros pendant les 2 premières années. Jusqu'à ce qu'on ait à peu près élaboré les projets et leur mise en œuvre. Donc ça, c'est une première manière d'associer les bonnes volontés qui sont en dehors du conseil municipal pour faire avancer des projets précis. Donc par exemple, pour ce qui nous concerne, c'était l'aménagement d'une salle des associations, le réaménagement du bourg aussi. On travaillait aussi sur les usages de l'église. Avant travaux. Ça a amené ce fonctionnement-là à aller un petit peu plus loin, puisqu'on a décidé à la fois pour justement faire participer et puis pour économiser aussi, hein, faut pas se voiler la face, on a été amené à se dire que sur certains projets, on procéderait par chantier participatif. C'est-à-dire que la commune vote, enfin la municipalité vote un budget, elle vote les grandes lignes de la manière dont elle souhaite, suite au comité consultatif, que ce soit mis en œuvre. Et puis ensuite, il y a des bénévoles qui, donc dans le cas de l'aménagement du bourg, sur 2 hivers, ont travaillé peut-être 20 à 30 journées ou demi-journées, donc sont venus chacun apporter leurs compétences, leur touche personnelle aussi, leur savoir-faire, ce qui permet que bon, l'espace public, finalement, soit un espace bon, qui n'est pas seulement l'espace qui appartient à la commune, qui appartient à tous, mais c'est aussi un espace dans lequel il y a eu vraiment un investissement personnel par le geste, planter un arbre, planter des arbustes, faire une pergola, faire même un peu de mobilier urbain, donc faire tout un tas de choses comme ça, qui fait que c'est un espace partagé, pas seulement parce qu'il est de propriété commune, mais aussi parce qu'on a décidé et qu'on a fait ensemble ce qu'il est devenu. Comment ça se passe sur la prise de décision dans ces comités consultatifs? C'est des gens qui viennent, c'est quoi, c'est de la parole, du débat? Vous avez des outils ou des méthodes que vous utilisez à l'intérieur? C'est très informel. Hein. On n'a pas professionnalisé la chose. Je pense que dans des entités communales plus larges, c'est sûrement nécessaire de le faire. Je pense qu'il faut sûrement avoir des outils. Moi, j'en ai pas du tout l'expérience, hein, honnêtement. Nous, ça reste très informel, dans le sens où, en fait, on se connaît tous personnellement. Et c'est vrai que j'imagine qu'apporter des techniques qui sont peut-être efficaces par ailleurs, j'imagine que ça aurait sans doute un petit côté un peu artificiel à notre échelle à nous. Ouais. Hein. Probablement, je n'ai pas essayé, hein, je suppose. Donc ça se fait par l'échange, hein, par la discussion. Et vous arrivez tout le temps à un consensus, vous êtes tout le temps tous d'accord à la fin, ou il y a vraiment un vote, où chacun va sur le projet qui l'intéresse, ou comment ça se passe? Alors, Pas forcément, hein. On n'aboutit pas forcément, tous les comités consultatifs n'ont pas abouti sur des projets. Il y a différents cas, alors ce serait peut-être un peu long d'entrer dans les détails. Enfin, globalement,
L'idée, c'est d'essayer, c'est quand même d'essayer d'arriver à un consensus. Alors, sur deux des trois comités consultatifs, c'est ce qui s'est dégagé. Et puis, il y a un troisième où on est arrivé à la conclusion qu'en fait, on n'arrivait pas, que la commune n'avait pas les bons outils pour faire ce qu'on voulait faire. Et là, du coup, dans ce cas-là, c'est devenu finalement une initiative qui a été reprise de manière privée. Alors, bon, ce sera peut-être un petit peu long d'en parler. Alors, ben, en tout cas, donc, sur les deux choses où on est arrivé à un consensus, ben, ensuite, moi, je reviens devant le conseil municipal, où le responsable du comité consultatif revient devant le conseil municipal, puis dit, ben, bon, ben, il y a telle proposition. Et ensuite, évidemment, le conseil municipal est quand même souverain et donc décide pas de valider ses orientations. Dans ces cas-là, dans ces deux cas-là, en fait, ça a été à la fois sur l'église et puis sur les projets d'aménagement, ça a été validé. C'est quoi les gros projets ou les chantiers phares qui se sont faits à Trémargat, enfin, où les... Moi, j'ai entendu parler de l'énergie. Ça fait peut-être un bout de temps, on ne sait rien, mais de d'une certaine autonomie énergétique. Autonomie, non. Alors, gros projet, non, hein, je dirais pas non plus. C'est un soutien, moi je dirais que c'est plutôt un soutien symbolique, un petit peu plus que ça, mais c'est quand même plutôt un geste. Alors, si j'explique un petit peu de quoi il s'agit, donc le marché de l'électricité a été libéralisé, hein, donc c'est-à-dire que les réseaux, bon, là, sur les réseaux, il y a un monopole, mais par contre, sur la fourniture d'énergie, là, EDF est en concurrence, opérateur historique est en concurrence avec beaucoup d'opérateurs. Et parmi ces opérateurs en France, donc il y en a un qui a une double particularité, et donc c'est le seul à l'avoir, c'est le réseau Enercoop. Alors, double particularité parce que c'est d'abord une société coopérative d'intérêt collectif, hein, donc qui est à but non lucratif, hein, donc qui associe parmi ses dirigeants à la fois les fondateurs, mais aussi des représentants des salariés, des représentants des usagers, des représentants des fournisseurs, hein, des producteurs d'électricité. Donc il y a une logique. Comme on dit, d'économie sociale et solidaire et de fonctionnement démocratique d'entreprise. Donc ça, c'est une première particularité qui est associée au fait que les fournisseurs, le fournisseur Enercoop est un fournisseur à 100% d'énergie d'origine renouvelable, c'est-à-dire hydraulique, éolien, photovoltaïque. Voilà. Donc c'est le seul en France à ces deux choses qui bon, correspondent bien à, disons, à l'état d'esprit qu'on a dans la commune. Et donc, on souhaitait soutenir cette initiative-là en devenant, en fait, dans un premier temps, usager d'Enercoop. Donc, c'est-à-dire que c'est uniquement pour les bâtiments publics, comme donc, la salle des fêtes, la mairie, la salle des associations. On a donc choisi en fait, de résilier le contrat avec EDF et on a choisi de devenir usager donc d'Enercoop. Et puis, dans un deuxième temps, on a poussé choses un petit peu plus loin et donc la commune est devenue sociétaire d'Enercoop. Et parmi donc, les différents collèges associés à la SIC, que je décrivais tout à l'heure, il y a aussi un collège qui est réservé aux collectivités locales. Donc Trémargat est devenue la première collectivité locale en Bretagne à devenir sociétaire d'Enercoop Bretagne, suivie peu de temps après par le conseil régional de Bretagne. Donc on a aujourd'hui, hein, je crois qu'il y en a une troisième qui va entrer bientôt, c'est en train de se faire. Donc du plus petit au plus grand, mais alors, ce qui est important, c'est que à notre sens, c'est un levier, hein, important par lequel, c'est au tout début, hein, il faut bien commencer, c'est un levier important par lequel, en fait, on peut redonner aux citoyens, à travers leur collectivité locale, on peut leur redonner la maîtrise des choix énergétiques en matière d'électricité. C'est-à-dire que, bon, jusqu'alors, hein, il faut bien dire qu'on subit quand même des décisions qui sont prises à l'échelle nationale, donc ont été des décisions, pas besoin de détailler, hein, de poursuivre dans la filière nucléaire. Et c'est vrai que
Du coup, à travers le réseau ENERCOP, parce qu'il y a ENERCOP France, mais il y a aussi des ENERCOP régionaux. Ouais. Et donc, à travers le réseau des ENERCOP régionaux, reprendre la main sur les choix énergétiques. D'accord. Puisque la logique, je ne vais pas trop détailler, mais la logique d'ENERCOP Bretagne et des autres ENERCOP régionaux, c'est aussi ensuite de développer des producteurs d'énergie au plus proche des lieux de consommation. Donc il s'agit à la fois de relocaliser la production d'énergie et d'énergie renouvelable. D'accord. Et vous êtes aussi producteur d'énergie ou pas? Nous, non. Non. Alors justement, c'était dans le programme qu'on avait présenté, il y avait cette idée qu'on aurait bien aimé à la fois soutenir des projets d'énergie renouvelable et aussi, pourquoi pas, nous, le faire par nous-mêmes. Alors il s'est avéré que, bon, on a bien vu qu'on n'avait pas énormément de moyens, hein, une collectivité de cette taille-là, facile. Et donc les projets qui nous ont été proposés de centrales photovoltaïques, donc éventuellement implantées sur des terrains communaux, mais disons que la logique était quand même beaucoup une logique de profit, hein, en fait, avec des modes de gouvernance qui étaient des modes de gouvernance d'entreprises capitalistes, hein, qui en fait viennent bon, poser des panneaux photovoltaïques, reversent un loyer. C'est assez modique à la commune, et puis bon, ensuite se servent sur l'énergie produite et se servent aussi Ça correspondait pas. dans une logique de profit assez classique. Donc nous, ce n'est pas tellement ce type de modèle-là qu'on souhaitait soutenir, même si bon, ce modèle-là, il n'est pas à bannir non plus. Hein. C'est peut-être un moyen d'arriver effectivement à des productions d'énergie plus propres. D'accord. Il y a d'autres initiatives dans la commune. Alors, moi, je suis arrivé dans un café associatif. Et aussi, c'est quoi ce principe de je crois que la commune met à disposition des locaux, c'est ça, et Elle les loue, elle est loue. elle les loue, hein, c'est-à-dire que y a une logique, en gros, hein, qui est la suivante, c'est-à-dire que dans une petite commune comme celle-ci, si on attend pour qu'un service soit fourni, pour qu'un lieu de vie existe, si on attend forcément qu'il y ait une rentabilité, hein, et donc qu'un commerçant vienne s'installer et puis fasse le pari tout seul de démarrer, bah on n'aura peut-être pas autant de vie économique et aussi de vie sociale qu'on le souhaiterait. Hein. Alors, ça peut fonctionner, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont installés dans la commune, qui ont installé leur activité artisanale, par exemple. Donc, il y a même un restaurant qui s'est installé, qui fonctionne très bien dans une logique classique d'entreprise. Donc, ça peut fonctionner, mais disons que la commune, depuis le milieu des années 90, a quand même soutenu hein, ces lieux, alors notamment en investissant dans un bâtiment, donc en achetant l'ancien café qui périclitait. Donc, le principe, c'est que la commune achète un bâtiment, fait des demandes de subventions, fait aussi un investissement public, et ensuite ce café, donc à partir de 95, il a été mis en gérance avec un cahier des charges, hein, notamment le minimum d'horaire d'ouverture de service. Et ensuite, donc, il y a eu des gérants privés qui se sont succédés pour faire vivre ce lieu. Et puis, donc, depuis 6 ans, c'est devenu un café associatif, c'est-à-dire c'est une association qui s'appelle La Pépi, qui a pris en main le café hein, et qui en a fait un lieu de vie avec des expositions, des concerts, des soirées lectures, donc bon, un lieu d'échange hein, aussi culturel. Et la commune perçoit un loyer. Ce loyer lui permet en fait de rembourser hein, sur une quinzaine d'années, donc entre 95 et 2010, ça lui a permis de rembourser l'emprunt qu'elle avait fait pour remettre ce bâtiment à niveau et en faire un lieu de vie sociale. Et donc,
en 2012, hein, on a relancé la même chose en se disant que le café pouvait devenir aussi une épicerie paysanne. On l'a appelé comme ça, on ne sait pas très bien quel nom lui donner en fait. L'idée est d'ailleurs l'association La Pépine, hein, la proposition d'un coin épicerie, la municipalité a dit bah, c'est bien, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, ça a mis quelques années à monter le dossier, la commune a racheté un autre bâtiment, même principe, voilà, en plein sur une quinzaine d'années, avec des subventions à tous les niveaux, depuis la communauté de communes jusqu'à l'Union européenne, en passant par le conseil régional et le conseil général. Et donc, même chose, hein, il y a un beau lieu de vie, hein, un bel espace qui donc permet d'accueillir les activités d'une association. Et cette association, elle met à disposition des produits de 25 producteurs locaux. Certains sont bio, d'autres pas. Et puis, des produits bio, des produits de plus longue conservation qui, eux, sont un petit peu plus les produits classiques qu'on trouve en Biocoop. Donc, ça veut dire qu'on a là deux entités, l'une à côté de l'autre, mais qui sont à côté du restaurant, qui est pas très loin, qui sont quand même, forment quand même un beau cœur, un beau lieu de vie dans une commune de moins de 200 habitants. C'est vrai qu'on a une grande chance d'avoir autant d'énergie et d'idées, d'initiatives, de bénévoles. Parce qu'il faut tenir ça sur la durée aussi, hein, c'est pas juste de faire un projet sur 6 mois, il faut le tenir ensuite sur des années. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communes de cette taille-là qui ont la chance d'avoir ça. Ouais. Vous voyez comment votre rôle d'élu dans cette dynamique-là? Alors moi, je vois ça comme parfois sur certains sujets comme un rôle d'initiateur. Ça peut arriver. Alors, notamment suite au programme qui est mis en place, donc il y a quand même un rôle là qui est un rôle bon, assez classique hein, d'élu où bon, on a été élu, donc on est un petit peu le garant de l'intérêt général et puis on est aussi celui qui doit initier des projets. Il y a cette partie-là. Mais moi, je l'ai vécu, c'est sans doute spécifique à la commune ici, je l'ai vécu surtout comme un rôle de coordination, de fédération, d'énergie qui sont déjà là. Hein. Donc, c'est plus un rôle en fait d'animation, hein, on peut dire, un rôle de médiation aussi parfois. Je pense que c'est sans doute assez exceptionnel. Donc ça, je ne vais pas en faire voilà, un modèle du rôle de ce que devrait être un élu de manière classique, mais je pense quand même qu'on voit beaucoup émerger de projets qui viennent de la base, hein, de citoyens actifs qui sont. Qu'on a un niveau de formation de plus en plus élevé aussi, qu'on a des moyens de collaboration, hein, des nouvelles technologies, etc., qui permettent, je pense, aux élus de prendre ça en compte et puis d'essayer autant que possible, en vérifiant toujours que ça correspond quand même aussi à l'intérêt général. Mais sous réserve de ça, je pense que les élus ont quand même la possibilité aujourd'hui de s'appuyer beaucoup sur ce qui vient bon, de ce qu'on appelle la société civile. Est-ce que vous pensez que c'est ce modèle-là, enfin, la manière dont ça fonctionne ici, avec finalement aussi pas mal de bon sens et de. C'est une recherche d'efficacité aussi, en fait. C'est plus efficace et ça fait plus avancer les affaires de la commune que d'être dans ce faire ensemble. Est-ce que ça, c'est imaginable à une échelle plus large, régionale, nationale, européenne? Est-ce qu'on peut enfin, prendre ce modèle-là et s'en inspirer pour à une échelle plus grande? Oui, là, c'est un grand pas à franchir. Voilà, j'ai l'intuition, après, je n'ai pas la science infuse sur le sujet, j'ai l'intuition que dans tout ce qui est collectivité locale, où on travaille sur des projets, où on n'a pas le même rôle que celui du législateur, j'ai.
J'ai l'impression que, alors c'est pas transposable tel quel, bien sûr, j'ai l'impression quand même que c'est un modèle qui pourrait se développer. Alors là, peut-être justement en se donnant des outils un petit peu plus formalisés, oui, j'ai l'impression qu'en s'y prenant bien, ça doit sans doute être réalisable. Alors d'ailleurs, il y a quand même un certain nombre aussi d'expériences de démocratie participative, alors qu'ils le sont, bon, qui sont peut-être parfois un petit peu cosmétiques, mais je pense aussi qu'il y a des expériences où il y a plus de fond. Et bon, c'est quand même relativement récent, hein, finalement, par rapport à un fonctionnement classique, hein, de politique tel qu'on a pu la connaître auparavant. Alors le saut au niveau supérieur, donc c'était le niveau national, le niveau européen, c'est ça? Est-ce qu'on pourrait C'est parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une période de crise, on l'entend en permanence, ou en tout cas, notamment une crise de confiance du citoyen envers ses représentants et même envers le système dans lequel on est aujourd'hui. Et moi, ce que je suis parti rechercher aussi en partant faire ce voyage, c'est des endroits où ça se passe différemment. Alors, il m'a dit, viens voir à Trémargat, ça se passe différemment. Que ce type de fonctionnement, ce type de posture, plus d'être dans l'animation des dynamiques locales, dans l'éveil des dynamiques locales, etc. Est-ce que ça fait partie de solutions à cette crise de confiance qu'on est en train de vivre? C'est un peu la question que je me pose. Oui, j'ai pas de réponse très Ouais. précise. J'ai l'impression quand même, c'est une richesse aussi de je pense, de l'organisation territoriale en France. J'ai l'impression que l'organisation en commune, effectivement, c'est quand même un point à partir duquel on peut vraiment nouer un lien fort entre le citoyen et les pouvoirs publics, quoi, où il peut s'y reconnaître. C'est un point de départ. Donc 36 000 communes en France, c'est bien, faut pas forcément en supprimer. Non, moi je pense que non. Alors bien sûr, il y a des inconvénients, hein. C'est vrai que sans doute que ça a un certain coût économique. C'est sans doute pas peut-être le plus rationnel sur le plan économique, mais bon, en même temps, les communautés de communes, elles apportent quand même une réponse à ce problème, hein, en mutualisant certains moyens. Donc je pense que c'est utile de garder ces 36 000 communes pour justement cette richesse qui est une richesse de possibilité de participation des citoyens aux affaires publiques. C'est quelque chose qui est connu, qui a été écrit par Tocqueville déjà au début du 19e, hein, où il expliquait justement qu'une manière de résister peut-être à une forme d'apathie dans les démocraties, bah, c'était justement ça, c'était l'échelle communale. Je pense que ça reste vrai aujourd'hui. Alors sur les aspects plus larges au niveau national, au niveau européen, j'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué, hein, sans doute. Sans doute aussi parce que les décisions qui sont prises à ce niveau-là, peut-être notamment pour tout ce qui concerne les décisions économiques, ces décisions-là, elles sont aussi dépendantes. Elles sont prises dans le champ politique, mais elles sont dépendantes aussi de tout ce qui se passe dans le champ de l'entreprise et des entreprises capitalistes. Et donc là, moi je pense que le problème, il est à ce niveau-là, il est plus large. J'ai l'impression que ce sont dans les entreprises elles-mêmes qu'il faudrait introduire beaucoup plus de démocratie. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui produisent essentiellement pour répondre à des attentes de profit, hein, des actionnaires. On prononce plus beaucoup le mot capitalisme, je trouve, comme si c'était devenu un gros mot. Je pense que c'est la réalité de notre économie, hein. Fonctionne sur son modèle, on peut y adhérer, on peut le revoter, c'est pas la question, c'est pour ça que je veux dire. Mais si on regarde objectivement les choses, les entreprises ne sont pas là d'abord pour répondre à des besoins de la
population, elles sont d'abord là pour faire des profits. C'est logique. Hein. Si j'étais chef d'entreprise, voilà, c'est l'objectif que je poursuivrais aussi. Donc, ensuite, les entreprises, elles peuvent aussi susciter des besoins. Elles ont des départements marketing, des gens qui sont spécialistes de la publicité, etc., qui sont là en fait pour effectivement faire s'élargir les marchés. Voilà, donc elles travaillent à leur propre objectif. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une économie qui serait au service des citoyens, qui, par exemple, donnerait à tous une place dans la société par le travail, par le lien social que le travail permet de donner. C'est pas la même chose non plus que une économie qui essaierait d'abord collectivement de décider quels sont les besoins de la société, mais pas les besoins de chaque consommateur pris individuellement, mais qui essaierait d'abord de débattre. Et là on revient à la question de la démocratie. On discuterait d'abord de quoi a-t-on besoin pour mieux vivre, pour bien vivre, tout simplement. Donc ça, ce serait effectivement replacer l'homme au centre de l'enjeu. Et l'homme est aussi pris dans son environnement avec toutes les questions écologiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc je dirais que sans doute que pour rétablir plus de démocratie au plan national et européen, plus largement même sans doute qu'il faudrait quand même introduire beaucoup de démocratie dans le système économique. Vaste programme. Très vaste programme. Il y a, alors je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui Internet et le numérique est en train de changer complètement la manière qu'on a de s'informer, de se former, de communiquer les uns avec les autres, de travailler. Est-ce que ça peut jouer un rôle dans cette démocratie qu'il faut réinventer ou qu'il faut qui pourrait fonctionner différemment? Est-ce que ça peut changer la manière dont la politique fonctionne? Oui, sans doute que ça la transforme. Je ne suis pas très très utilisateur moi-même de nouvelles technologies. Je dois avouer que c'est pas un sujet sur lequel j'ai énormément réfléchi. C'est vrai que on voit que c'est un outil qui a quand même d'énormes potentialités, d'accès à des informations. C'est un outil aussi évidemment beaucoup beaucoup plus interactif que ne peut l'être la télévision. On peut imaginer qu'il y a des potentialités d'activité en fait du citoyen par l'accès à l'information, par l'échange avec les autres, en développant des collaborations. Je vois bien qu'il y a beaucoup de possibilités dans cet outil. On peut espérer qu'on s'en empare. Moi, je ne suis pas complètement optimiste sur le sujet. Je pense qu'à un certain moment, à une autre échelle, la télévision a pu être aussi vécue comme un moyen de diffusion de la connaissance, de l'information, de la culture, etc. Il y a aujourd'hui une très grande diversité de chaînes télévisées. Je pense qu'il y en a certaines qui vont dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément celle qui fait le plus d'audience. Donc, est-ce qu'Internet développera ses promesses? Je peux dire que j'espère que oui, mais je dois dire que je ne connais peut-être pas tellement le sujet pour vraiment trop développer sur cette question-là. D'accord. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'on voit que, par exemple, pour des acteurs publics qui voudraient effectivement mettre en activité les citoyens, les consulter, les faire
échanger, échanger avec eux, etc. Il y a des personnes technologiques qui sont là. Ouais. D'après vous, d'où est-ce que vient cette crise de confiance qu'on est en train de vivre, parce que j'ai quand même énormément de personnes qui, quand ils me prennent sur le bord de la route, en stop, me disent, quand je déclenche des discussions politiques, me tiennent ce discours de tous pourris, ou me tiennent ce discours de de la corruption, du fait que finalement les politiques n'ont pas vraiment le pouvoir, que leur vote, parce que ça pourra changer, etc., etc. Enfin, ça vient d'où tout ça? Ah, c'est un très très vaste sujet. Je pense qu'un premier problème vient du fait qu'on personnalise énormément les choses. Donc, c'est-à-dire qu'on nous fait croire ou on se fait croire à nous-mêmes que le fait que telle personne soit à tel poste de responsabilité suffit à ce que, au contraire, empêche que telle chose ne soit réalisée parce que cette personne n'aurait pas les compétences. D'ailleurs, en fait, vous êtes venu m'interroger, moi, même à cette toute petite échelle-là, en fait, on vient voir qui ? On vient voir le maire. Hein. Alors que le maire, oui, bien sûr, c'est la personnalité qui est la plus en vue. Effectivement, le maire a certains pouvoirs propres. Mais si on regarde quels sont les pouvoirs propres d'un maire, ils sont même à cette échelle-là. Il a des pouvoirs, quels sont les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'État ? Il est sous les ordres du préfet, il est officier de police judiciaire, il est officier d'État civil. Ce sont des pouvoirs qu'il a en propre. Et effectivement, s'il souhaite les exercer seul, il peut le faire, mais il peut aussi le déléguer à ses adjoints. Mais c'est vrai que là, il y a une personne qui a un pouvoir identifié. Mais si on regarde tout le reste, le vote d'un budget, les projets qu'on décide de faire, tout ça, ça ne peut pas se faire sans une majorité au conseil municipal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est un exemple, je prends les choses un petit peu par le petit bout de la lorgnette, mais par cet exemple, je veux montrer que la politique, c'est quand même forcément du collectif. Voilà, c'est quand même un premier problème, c'est-à-dire qu'on fait croire que la politique, ça marche souvent avec une personne. Alors, le président de la République, le président du conseil régional, etc. Je ne vais pas dire les exemples. Bon, alors qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que on a vraiment, je pense, une illusion dans laquelle on se baigne. Ça marche très bien d'ailleurs, ça marche très très bien, parce qu'au niveau de la participation aux élections, à quelles élections les Français votent-ils le plus ? Aux élections à la présidence de la République. Donc, et après c'est les municipales. Et après c'est les municipales. Alors les municipales c'est aussi personnalisé, je pense aussi qu'il y a l'effet de proximité. On connaît les gens, on connaît le sujet, là, on revient plutôt à ce que je disais sur Tobin tout à l'heure. Bon, donc, je pense qu'il y a ce premier problème. Alors, moi, je pense aussi que les institutions de la Ve République, elles ont, dans des circonstances historiques particulières, donc elles ont correspondu à la situation de 58, au général de Gaulle, etc. C'était peut-être une réponse, c'était cette réponse-là, en tout cas, au problème de l'instabilité de la 4e République. Curieusement, moi je suis assez surpris de voir justement que ces institutions, bon, il y a bien sûr eu des mouvements pour politiques, hein, pour essayer de les remettre en cause, mais globalement, l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est quelque chose qui semble retenir l'adhésion très large majorité des citoyens sur le principe. Je pense que ces institutions-là, elles sont pas de nature vraiment à,
justement à ce que participation, en fait, puisqu'on remet le pouvoir dans les mains d'une personne. Et puis, dans une situation économique et sociale assez difficile, ce qui se passe à peu près à chaque fois, c'est que au bout de quelques mois ou d'un an ou deux, il y a une forme de déception. L'idée derrière, c'est de dire que le fait de voter pour des gens, en fait, on a des citoyens qui sont dans une forme d'attentisme et qui vont moins facilement être acteurs et des citoyens actifs. Ben je pense que ça y concourt, oui, ça y concourt sans doute. Mais ce sont pas les seules raisons, hein. Je pense que plus là j'ai parlé de la personnalisation et puis des institutions. Moi, je pense que plus profondément que ça, la crise citoyenne, hein, on peut dire, je pense qu'elle est quand même aussi assez liée à ce qui s'est passé depuis une quarantaine d'années, où on est quand même entré dans une période de ralentissement économique, on est entré dans une période de chômage de masse, de précarité. Donc d'un côté, on adhère toujours à l'idée que le travail salarié, c'est ce qui donne une forme de dignité, c'est ce qui donne une place, c'est ce qui donne une identité aux personnes, hein, qui se définissent beaucoup. Si on demande à quelqu'un, présentez-vous, ben souvent on donne la profession en fait. Hein. Et bon, donc à la fois on tient à ça, on tient à la place du travail, voire la stigmatisation justement de ceux qui seraient soupçonnés de ne pas travailler, de choisir de ne pas travailler, de bénéficier entre guillemets d'une allocation chômage, etc. Les profiteurs. Voilà, les profiteurs. Bon, bah, justement, hein, ça montre bien ça, toute la place que le travail a encore. Il y a quand même un énorme décalage entre ça, hein, d'un côté. Et alors, en même temps, en face de ça, on dit on est dans une crise économique. C'est bizarre parce qu'une crise, ça passe, c'est assez rapide. Alors là, donc ça fait plus de 30 ans qu'on est dans une crise économique qui fait qu'il y a des chômeurs. Donc ça veut dire qu'on donne au travail une place centrale et finalement, on ne donne pas la possibilité à tous les individus de trouver leur place dans cette société par le travail. Je pense que ça, c'est quand même un très très fort facteur de crise. Et donc, après, c'est pas un hasard si on voit des phénomènes comme la montée du Front National, hein, par exemple, la montée de différents mouvements qui vont trouver des responsabilités faciles, des boucs émissaires, etc., comme on a connu dans d'autres périodes de l'histoire. Alors, c'est jamais comparable, c'est jamais les mêmes situations. Enfin, ce que je veux dire, c'est quand même que quand on a une organisation sociale où le travail donne à la fois le revenu, des protections sociales, une place dans la société, et puis que en fait cette société, dans le préambule de la Constitution, justement, on déclare le droit au travail, et le droit au travail, il n'est pas effectif. Et alors effectivement, quand on voit des gouvernements qui ne parviennent pas trouver des solutions à ces problèmes, je pense que c'est vraiment une source de défiance très très forte. D'accord. Bon, maintenant qu'on a constaté tous ces problèmes, bon, on a aussi parlé de pas mal de solutions en fait, mais il y a un exercice que j'aime bien, c'est de partir d'une feuille blanche en se disant si on doit imaginer un système qui fonctionnerait complètement différemment, ou en tout cas qui fonctionnerait bien, du local au global, qu'est-ce qu'on dessinerait comme système ? Alors, qu'est-ce qu'on dessinerait ? Ça veut dire on passe au graphisme, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Alors là, je dois avouer que la graphie n'est vraiment pas spécialité. On doit représenter, ouais, un système qui serait... qui serait idéal. Alors, il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce que vous disiez tout à l'heure, de... ce serait intéressant de repartir du besoin des gens pour imaginer autour ce que la société pourrait apporter à ces personnes. J'en sais rien, ça peut être ça le début du
dessin où on dessine quelqu'un qui une société qui pourvoit ses besoins premiers, ou je sais, on peut dessiner la pyramide de Maslow avec les besoins, enfin, où on peut partir de je dessine la France et puis la répartition géographique des différentes institutions, où on essaye de dessiner la population en bas et puis un mode d'élection pour l'échelle locale, l'échelle régionale, etc. Enfin voilà, peu importe en fait, mais l'idée c'est d'essayer de dessiner un système qui fonctionnerait mieux. Alors là, je ne sais pas si je vais savoir traduire des phrases Mais en des moi je signes. vais dessiner. Ah bon, d'accord. Non, je reste assez sec hein, sur le sujet là. Le fait de le dessiner, moi je vois un peu je vois un peu des choses qui ressembleraient peut-être à des constellations un peu comme dans le ciel quoi, avec des formes un peu irrégulières qui associent les gens un peu comme on peut repérer des constellations d'étoiles qui se déplacent hein, aussi qui forment des ensembles qu'on peut repérer qui sont de taille variable, de forme variable, et puis qui sont en mouvement. Hein. On pourrait aussi penser à quelque chose qui ressemble au système solaire où en fait on a des planètes qui se déplacent. Alors là, je ne sais pas si on peut figurer ça dans un dessin, parce qu'un dessin c'est statique justement. Donc on a des planètes qui se déplacent et on a des satellites aussi autour de ces planètes. Et tout ça est en mouvement. Et moi je vois beaucoup de mouvements en fait là-dedans. Je vois des gens, hein, des citoyens qui s'enrichissent les uns des autres en participant à des projets successifs hein, bon, qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas et qui à chaque fois en fait dans leur trajectoire s'enrichissent de quelque chose auquel ils ont participé. Et en participant, ils ont donné d'eux-mêmes, mais ils ont aussi en fait reçu les autres. Je vois beaucoup ça comme un système d'échange qui est en mouvement, quelque chose qui n'est pas figé. Voilà en gros moi, la manière dont je représenterais les choses. Alors ça veut dire aussi qu'il y a des ensembles de tailles différentes, hein, et sans doute qu'à certains moments, il y a des individus qui sont plus actifs ou qui ont plus d'énergie, peut-être aussi qui ont plus de pouvoir, hein, du coup, et donc ce serait peut-être des étoiles ou des planètes un petit peu plus grandes que les autres à un certain moment. Mais en tout cas, je vois ça sous forme de constellation. C'est pas le roi Soleil, quoi. Voilà. La manière dont je vois les choses. Dans cette idée d'être en mouvement, je sens bien cette idée en fait de vie et qu'on on fige pas forcément les choses dans un système complètement horizontal ni vertical, qui soit pas forcément ni. Alors on n'est pas dans du figé. Après, est-ce qu'il faut quand même, dans cette démocratie idéale, imaginer des institutions fonctionnement ou. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un système dans un chaos, dans un libéralisme total, de chacun fait ce qu'il veut et rejoint des projets. Et est-ce que ça peut fonctionner sans institution ou sans cadre? Sans cadre, ben je pense qu'il y a quand même une forme de cadre qui est, si je vais jusqu'au bout là, de la métaphore, il y a quand même des lois de la physique, il y a des forces gravitationnelles, donc il y a des mouvements qui se font pas complètement au hasard, sans doute.
C'est peut-être un peu, oui, ça peut être représenté comme je l'ai dit là, ça peut être un côté un peu anarchique, alors que je ne prétends pas du tout anarchiste moi-même. Peut-être qu'il y a des tendances cachées que je n'avais pas repérées. Soit anarchiste, soit même libéraliste. Enfin, un libéralisme poussé à l'extrême, j'ai presque l'impression qu'il faut faire confiance à la main invisible dans ce système. Ah non, 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 je sais pas, provocation un peu volontairement, mais... Je vois pas ça comme ça, non, non, non. Non, peut-être que, en fait, c'est une vision trop idéale, dans le sens où, en disant les choses comme ça, peut-être que je suppose... que chacun aurait en lui-même forme de vision en lui-même de ce qu'est l'intérêt général, ou que bon, il aurait en lui-même le goût, hein, de participer, pas comme dans la main invisible, donc il n'aurait pas le goût seulement de ses intérêts particuliers qui le guiderait par magie vers l'intérêt général par le biais du marché. Mais oui, peut-être que je représente les choses de manière un peu trop idéaliste en supposant que justement les mouvements se déroulent bien parce que chacun est aussi guidé par l'idée du bien commun. Alors sinon, une autre forme de, une autre manière de poser la question, comment est-ce qu'on fait pour former tout au long de la vie des citoyens qui aient ce goût du bien commun ou de l'intérêt général? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que voilà, on arrive sur la Terre, on est sûrement très malléable et notre culture, notre éducation nous apporte beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que d'avoir des citoyens qui réussissent à s'épanouir tout en ne pensant pas qu'à s'épanouir autour de leur nombril, mais aussi en rapport avec les autres et avec cette conscience de l'intérêt général et d'agir dans le sens du bien commun. Mmh. Ouais, sans doute que c'est pas uniquement, mais en grande partie par l'éducation. Mmh. Alors peut-être que il faut bon, aussi des une base, hein, c'est sans doute des personnes qui aient confiance en elles-mêmes. Sans doute que ça, ce serait une partie centrale de l'éducation, hein, ça, ce qui est peut-être pas aujourd'hui dans le modèle français, c'est peut-être pas au cœur du système éducatif. On fonctionne beaucoup plus sur une logique d'acquisition de connaissances, de compétences, hein, donc là peut-être que bon, justement, puisqu'on parlait de libéralisme, hein, un système économique auquel je pas, mais dans les pays qui le pratiquent, sans doute que sur ces idées-là, c'est pas ce qu'il faut copier, mais par contre, il me semble qu'il y a des écoles dans des modèles d'éducation dans les pays anglo-saxons qui favorisent plus ça, justement la confiance en soi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui serait à prendre. Moi, j'ajouterais aussi, surtout, c'est peut-être plutôt là-dessus que j'insisterais, sur justement la conscience aussi, en même temps d'être un individu qui a sa valeur propre, la conscience de l'appartenance à une société. Mmh. Et ça suppose aussi une éducation, moi je pense assez tôt, hein, à des choses qui sont pratiquement pas enseigné en France, quoi. C'est-à-dire que bon, alors l'apprentissage de l'écriture, les mathématiques, bon, tout ce qui est éveil à l'environnement, les connaissances biologiques, tout ça c'est très très important, mais on vit quand même dans une société, on hérite aussi d'une culture, on hérite de traditions, on hérite d'une histoire, notre société ne fonctionne pas comme les autres, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Où est-ce qu'on enseigne ça en fait aujourd'hui? Pratiquement pas. C'est-à-dire que les sciences sociales, l'anthropologie, l'économie, etc. C'est très très peu présent dans l'éducation en France. Et je ne sais pas comment on pourrait s'y prendre, hein, mais je pense qu'assez tôt, on pourrait justement
apprendre aux individus qu'ils se situent dans une certaine société, à une certaine époque, que cette société-là, elle n'est pas forcément meilleure ou moins bonne que nous, mais elle est différente. Hein. Et donc, il y a des valeurs, il y a tout un ensemble de normes, de comportements, etc., de codes, alors dont on a l'impression qu'ils sont absolument naturels. Quoi. C'est-à-dire, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, un enfant qui grandit aujourd'hui en France, il arrive jusqu'au lycée, à l'école, on ne lui a jamais parlé de ça. Donc on ne lui montre pas que le système économique, par exemple, ou la société dans laquelle il vit, elle est particulière. Hein, elle est particulière, elle n'est pas pareille que telle autre, elle n'est pas pareille que celle du passé, etc. Et donc, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à développer justement pour aider les individus à se repérer eux-mêmes dans leur société, et puis justement à voir peut-être si on représente leur société comme planète là, du coup, à voir quelles sont les particularités de la planète où il vit, la planète France ou la planète Bretagne, je ne sais quoi, de voir quelles sont les particularités par rapport à d'autres. Donc ce sera un petit peu une éducation à se repérer dans le monde et pas seulement à se repérer dans le monde je sais pas, des sciences dures, hein, donc on étudie, on fait ça assez tôt quand même, hein, tout ce qui est physique, biologie, etc. Et par contre, c'est vrai que du côté des sciences humaines, en fait, il y a l'histoire, il y a la géographie, ça c'est enseigné tôt. Mais en dehors de ça, il y a quand même assez peu. Bon, on fait de la philosophie une année quand on va jusqu'en terminale. C'est assez limité. Ok. Bon, je récapitule ce qu'on a pour l'instant. On est dans les étoiles, pas mal, dans les planètes. En tout cas, on est dans cette constellation en mouvement. Avec un peu ce principe de dire que le citoyen, il navigue de projet en projet, il participe à ses projets, il donne autant qu'il prend ou qu'il apprend des autres dans ses projets au fur et à mesure qu'il avance. Il y a quand même un cadre qui est existant en fait par les lois de la physique, par les mouvements gravitationnels, si on reste dans cette comparaison avec les planètes. Alors on a parlé assez vite du coup de l'intérêt général ou du bien commun chez les citoyens qui est là de manière assez importante par le biais de l'éducation et qu'au centre de cette éducation ce qui serait important c'est d'avoir notamment la confiance en soi, d'avoir une conscience aussi d'appartenir à une société avec des valeurs particulières, une histoire, une culture, etc. De savoir se repérer soi-même dans cette société. Qu'est-ce qui manque pour avoir un système idéal ? Il me reste de la place. Il reste un petit peu de place. J'aurais dit que là, ce qu'on a mis un peu métaphoriquement sous le vocable loi de la physique, mouvement gravitationnel, je pense que ça a beaucoup à faire avec le goût des autres, en fait. Le goût des autres, le goût de la participation, enfin le goût des rencontres, du vivre ensemble. Pour moi, c'est un peu ça que ça traduit, en fait. Bon, idéalement, je pense qu'idéalement aussi, ça, l'idée de mouvement là, traduit aussi, je pense, l'idée d'ouverture, quoi, l'idée d'ouverture à ce qui peut arriver, aux rencontres qui peuvent arriver, aux projets qui peuvent se développer, je pense que c'est ça. Et bon, alors justement, plus on a confiance en soi et plus on peut être ouvert aussi. Bon, je pense que dans une société idéale, ça on n'a pas abordé le sujet, mais je pense que la question des inégalités aussi, de leur réduction, c'est quand même une idée centrale.
a introduit un salaire minimum en 1950. On n'a pas. Il y a eu une époque où il y avait une redistribution beaucoup plus forte hein, qu'elle n'est aujourd'hui, hein, même aux États-Unis, avec des taux d'imposition jusqu'à 90%, par exemple, pour les taux marginaux. Ça a émergé un petit peu dans le débat public à un certain moment, l'idée de, il y a quelques années, là, l'idée d'un revenu maximum. Hein, il y a des gens qui réfléchissent à ça encore. Bon, c'est vrai que ça n'entre pas dans le cœur du débat électoral quand il y a des élections nationales, hein, par exemple. Bon, on a aussi parlé de la répartition du temps de travail, qui est quelque chose d'important, enfin, ou cette valeur travail, ou de ce principe de travail, qui est dans la société qui prend beaucoup de place, mais qui, en fait, pourrait peut-être être repensée et redéfinie. Oui, sûrement que si on veut conserver cette place-là du travail salarié, je pense que c'est difficile de bouleverser ça d'un coup. Donc si on veut conserver ça, ben, ça veut dire qu'il faudra effectivement trouver des moyens de partager le travail pour que chacun puisse trouver sa place. Le passage aux 35 heures, hein, autour de 2000. 2002, il s'est fait à un moment où il y a aussi eu une décrue du chômage.